Chers amis, bonjour. Nous arrivons aujourd'hui à la paracha Balak. Et dans cette paracha Balak, eh bien, nous découvrons le prophète Bilham, prophète des nations, sorcier d'après d'autres, qui est payé pour aller maudire les Bnei Israël, mais Hachem ne le laisse pas faire, puisqu'à chaque fois qu'il se place en haut d'une colline pour apporter sa mauvaise parole sur Israël, Hachem va changer les mots de sa bouche pour transformer les malédictions en bénédictions. Malgré tout, nos maîtres nous montrent que plusieurs de ces bénédictions, finalement, se sont transformées au fil de l'histoire en des critiques, en des malédictions. Bilham avait une connaissance du divin assez extraordinaire pour quelqu'un présenté pourtant avec des midot raot, avec des mauvais traits de caractère, et donc il avait la finesse, l'intelligence de savoir apporter sa parole de telle manière à ce qu'une belle parole se transforme en quelque chose de mauvais. D'ailleurs, dans les lois du Lashon Hara, il y a une halakha dans ce sens. Parfois, on n'a pas le droit de faire des éloges sur une personne. Quand cela, eh bien, lorsqu'on va faire des éloges devant des gens qui ne l'aiment pas. Parce que si on parle du bien sur la personne devant des personnes qui ne l'aiment pas, les belles paroles que l'on a prononcées vont se transformer en lashon hara, vont se transformer en mauvaises paroles. Parce qu'en disant du bien sur quelqu'un devant des personnes qui ne l'apprécient pas, ces personnes qui ne l'apprécient pas vont être émerveillées par ces louanges qui ont été dites sur telle personne qui, selon celle qui ne l'aime pas, ne le mérite pas, et vont à leur tour dire des choses horribles et se sentir obligés de dire des mauvaises choses sur cette personne-là. Donc on voit que parfois une bonne parole peut se transformer en quelque chose de mauvais. Je vais prendre un exemple. Bilham va nous dire, on est au chapitre 23, au verset 23, qu'il le narrage be Yaakov. Il n'y a pas de personnes qui pratiquent la divination, c'est-à-dire qui vont regarder le futur chez Yaakov. Et le kesem be Israël, il n'y a pas de magicien en Israël, pas de sorcier. Alors, c'est assez étonnant cette phrase qui sort de la bouche de Bilham comme une louange, alors que lui-même, Bilham, et justement quelqu'un qui pratique ses arts de divination en essayant de regarder le futur, de regarder quand est-ce qu'Hachem va se présenter à lui. C'est également quelqu'un qui est connu comme étant un grand sorcier, et lui-même va faire une louange à Israël, à Baruch Hashem, grâce à Dieu, parmi vous, il n'y a pas de sorciers, il n'y a pas de magiciens, il n'y a pas de gens qui se basent sur les astres pour connaître leur avenir et autre chose comme cela, alors que pour lui-même c'est quelque chose de bien, puisque lui-même pratique cet art de la divination, de la magie et de la sorcellerie. Donc on voit qu'il y a quelque chose de faux dans cette bénédiction, dans cette parole qui paraît juste, mais qui en réalité est très sarcastique pour Bilham. Et donc nos maîtres nous disent que chacune de ces bénédictions peut se transformer en malédiction, voire s'est transformée en malédiction au fil du temps et des générations. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui comment le peuple juif se trouve face à tout ce qui est un peu magique, à tout ce qui est un peu incroyable. Et on a l'impression parfois que la malédiction de Bilham se réalise, puisqu'on va mettre plus d'énergie à aller chercher ce qu'on appelle des ségoulottes, des sortes de procédés qui vont permettre de recevoir quelque chose de positif d'Hachem d'une manière totalement automatique, juste en appuyant sur un bouton, juste en lisant tel verset, juste en faisant telle chose ou telle chose, hop, c'est goût là, à ce moment-là, on est sauvé, à ce moment-là, on est comme par magie, tout d'un coup, tout change pour nous. Alors que la véritable force d'Israël, au contraire, c'est la tfila, c'est la prière avec une kavana, avec une concentration, c'est l'étude de la Torah, c'est la pratique des mitzvot, et en aucun cas, des ségoulottes ne peuvent arranger quelque chose en Israël pour un juif s'il n'y a pas, c'est derrière la pratique des mitzvot, s'il n'y a pas derrière l'étude de la Torah. Alors Bilham se moque, il rigole, il n'y a pas de magicien, il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de personne qui croit à des choses mystiques en Israël. Bien sûr que tous les juifs pratiquent,
complètement la Torah et savent que seule l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot peut permettre d'aller mieux dans la vie, peut permettre de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr que tous les juifs le savent. Et Bilham est en train de nous faire un petit pic et de nous dire attention aux générations. Dans le futur, vous allez voir que vous allez essayer de me ressembler en ayant une grande attirance pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la magie. Alors que vous, en tant que Am Israël, en tant que peuple juif, vous devriez normalement être tamim Hashem Elokecha, être entier, plein avec Hashem, c'est-à-dire ne pas se poser des questions, comment faire pour arranger ci, pour arranger cela. Et on a un programme qui s'appelle la Torah, qui s'appelle les mitzvot, et c'est cela qu'il faut suivre. Alors ne donnons pas raison à Bilham, à Racha, en étant tout le temps focalisé sur ce qui ressemble, ce qui est parfois à la frontière de la magie, et de trop se focaliser sur ce qu'on appelle aujourd'hui les ségoulottes, mais plutôt focalisons-nous sur le travail des midot, comment être de bonnes personnes vis-à-vis des gens, comment être un bon juif vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu en pratiquant la Torah et en l'étudiant pleinement et sérieusement. Shabbat Shalom à toutes et à tous.